Ça chauffe. Alors l'indice, c'est bête à 8 pattes. Voilà, nous on t'a trouvé. Nous sommes à la recherche d'une cache, en plein dans les bois. Allez gosse, tu nous montres la cache où elle est ? Attention, un cheval qui passe. Alors Franck me dit qu'il va les trouver avant qu'elles arrivent. Alors juste pour montrer où c'est qu'elles sont. Elles sont là-bas. Et Franck pense qu'il va trouver avant qu'elles arrivent. Bon alors, je pense qu'elles vont trouver avant qu'il arrive. Je pense même qu'elles vont arriver sur la cache avant lui, s'il continue comme ça. Bon, qu'est-ce que veut dire l'indice, d'après toi ? C'est quoi l'indice ? Ouais, c'était un truc à Amadouvier. Amadouvier. Donc l'indice, c'est Amadouvier. C'est, je sais pas si t'as une connexion pour faire une recherche internet. Hein. Alors celle-là est assez compliquée. Bon, est-ce que tu veux que je te le dise chaud ou froid ? Non. Bon, alors Franck, pour l'instant, il est bloqué sur le Amadouvier. Alors le nom scientifique de la cache, c'est Amadouvier. Tu sens que c'est par terre ? Je montre où c'est. C'est une pierre à Amadouvier, maman ? T'es sûr de ce que tu dis ? Là où il se trouve. Ah oui, t'as un objet voyageur. Bah vous allez pouvoir le prendre. Ah ouais, c'est une... Elle est belle en plus. Hein. Une belle pierre. Ah ouais. Ah ouais, on... Faut alors regarder l'objectif. Château.
Bah, oui. Voilà, bon, allez, au revoir, à la prochaine cache. Vas-y, refais. On est en cours pour le géocaching et maman mime ce qu'elle doit trouver. Alors Franck est très pressé de trouver la cache avant notre mère, il est tout devant. Ah bon? Ouais, on te suit. Par où il nous fait passer? Ah, je dois essayer de passer sous les branches en filmant. Ce qui est pas simple. Ouais, je vais passer par un autre chemin, moi. Il a pas pris le chemin le plus compliqué. Essayons de le trouver dans les broussailles, ce Franck. Ouais. Ouais, mais d'ici qu'on y arrive, elles vont pourrir. Non, mais pas Alors, un outil qui est appréciable quand on fait du géocaching, c'est une pince à épiler. Ouais, des fois, c'est chiant. Thank you.
Et donc un peu plus loin par là-bas, après la mangrove, il y a un observatoire.